Les joueurs, hein, c'est... donc c'est comme ça, il ne vous a pas donné lui-même là, le support. Hein, non. Où chaque fois il vient, il prend et puis il s'en va. Non. Mais si vous avez travaillé pendant 6 mois, 10 mois, c'est quand il a ça, c'est même. 6 mois, 10 mois, je peux rien voir dans son live. Qu'est-ce que vous avez fait déjà, hein? Non, mais moi j'ai besoin, comment on appelle ça? Le premier jour qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait juste à ce qu'ils ont en compte? Comment ils ont fait les traitements? Qu'est-ce qu'ils ont donné comme aliments? Qui fournissait les aliments? Quel type d'aliments ils ont pris? Ivograin. Donc, c'est Ivograin, vous utilisez premièrement. Dans vos premiers techniciens, c'était qui? Marius. Marius, il vient de quelle branche? Il est de Ivograin ou bien Facile ou bien quoi? Hein? Il n'est pas de l'autre côté ici, il n'est pas de Ivograin. Je suis la fin de son. Mais c'est ça qui fait souvent le problème. Bon, vous voyez le problème là. Allez, ça, c'est pas un petit problème. Hein. Pondeuse là. Vous-même, vous savez ce que vous avez misé. À fait de poule pondeuse, moi, c'est quelqu'un qui mise près de 2000 dans fait de pondeuse, c'est que la personne a dépensé la construction, a dit. Plus de 10 millions. Si tu n'as pas plus de 10 millions, tu fermes. C'est une véritable structure. Donc, c'est bien des choses, on ne joue pas avec. Et si on veut bien voir, ce que, selon ce que vous avez dit là, vous allez voir que peut-être c'est 50% des coûts qui pondent. Les autres, elles ne pondent pas. Et celles-mêmes qui sont en train de pondre, elles vont chuter encore. Vous savez ça? Est-ce que vous avez ça? Elles vont chuter encore. Donc, maintenant, bon, ce qui est là, moi, je ne parle pas trop. On a déjà vu l'endroit, il sait comment les choses sont, voilà. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous le dites et à partir d'aujourd'hui, vous allez interrompre les aliments que vous avez commencé à donner. On va vous faire une, ce que je vais appeler des aliments de transition. Voilà, des aliments de transition. Là, là, vous prenez un sac à combien? Bon, nous donne à 7500. Mais d'abord, vous allez utiliser dans mon calculateur ça. Ils sont au nombre de combien? Environ. Non, je vais calculer ce que. Parce que ça serait plus aliment comme ça. Nous, on va vous donner des aliments accompagnés des produits vétérinaires, c'est-à-dire des mélanges. Voilà. C'est un sac de 25 kilos. On peut faire ça dans les sacs de 25 kg comme 50 kg. Mais 25 kg là, un peut valoir dans l'ordre de 15 000. Donc un sac, vous allez acheter ça dans l'ordre de 30 000. Et après maintenant, deux semaines de changement maintenant, on revient au plus normal pour leur donner des aliments. Voilà, de manière, c'est-à-dire comme ils étaient avant, 17 000, 18 000. Vous voyez un peu. C'est de ça que je parle. Donc attendez. Par jour, vous leur donnez combien de sacs d'aliments? 4 sacs d'aliments. C'est ça que vous utilisez par jour. Ok. En principe, vous allez. J'ai pris la marge, vous avez dit 1700. J'ai fait ça à 1500, par exemple. Donc, vous allez utiliser d'abord 128 sacs. La transition. Pour que tout soit normal. Savez, ce qu'elle a là, il y a tellement de problèmes. Voilà. Pourquoi on ne peut pas vous dire tellement de problèmes? C'est pas ça, hein. Ça veut dire que vous trouvez ça d'abord. Après ça, ils vont. Vous voyez les bois là. Ou tout ça, ils vont nettoyer. Vous allez chasser les plus. Même en haut là. Désinfecter tout. Tout ce qu'elle a là. Vous allez tout désinfecter. Il y a des brosses en balai là. Passer dessus avec le javel. Tout, vous allez tout faire. Et puis les bois là, vous faites sortir les bois, vous lavez les bois. Maintenant, si vous revenez là, vous les renversez. Les renversez, c'est bon. Puis mettre un nouveau coco. En faisant ça, ça dit, vous le disiez, ils sont de l'autre côté, vous finissez de l'autre côté, vous les poussez, ils viennent sur l'autre côté. Vous venez, vous voyez un peu. Voilà. Donc vous aurez besoin de 120 sacs d'aliments. Voilà, mais ça serait effectué à Abidjan là-bas. C'est là-bas, nous, on va composer les sacs là pour vous. C'est bon. Maintenant, si nous on compose ça à Abidjan là-bas pour vous, ça va dépendre.
soit vous venez prendre ou bien nous on envoie. Mm-hmm. Voilà, c'est à partir de, mais là c'est vous qui payez le transport pour que ça vienne. Maintenant en plus, il y a des produits que vous allez utiliser. On va vous donner 3 produits vétos que vous allez utiliser. Arrivez là-bas, je vais voir, et puis je vais voir quel est le produit que vous allez utiliser. Vous allez appeler votre grand frère et puis vous allez lui dire. Mmh. Voilà, vous improvisez là. Mmh. Si vous êtes vraiment partant, mmh, demain, on pense aux compositions, on achète vos ingrédients. Mmh. À partir de lundi, vous avez quelques aliments. Mmh. Et vous commencez, comment on appelle ça? Vous commencez du traitement. C'est bon? Mmh. Voilà. À partir, ça dit, une fois que les 120 sacs sont donnés, c'est fini. On revient maintenant sur la formule normale en utilisant le soja, copra, utiliser le premix. Premix, vous connaissez le premix? Bon, il y a des produits, on utilise tout, voilà, pour faire, comment on appelle ça, l'aliment. Voilà. Et là, le sac. Conné, comment tu vas? Bien. Ça va, Dieu merci. Bien. D'accord, je dis, hein? Le premix 1 là, 1% là, hein? C'est combien? 3 000. Non, je ne parle pas de 1 kilo. Le sac là, c'est 25 kilos, chez la fille là, 25 kilos là, 1 à combien? Ça fait 25 kilos, c'est 20 kilos. Hein? Et c'est revenu à 20 kilos. Mmh, c'est 20 kilos. Bon, c'est combien? C'est 52 500, mais c'est 53 000. Ils sont montés à 53 000. Ah bon. Ah, c'est monté là. Ah bon, moi je vais aller. Ah, vous voyez ce qu'ils ont. 25 kilos, jamais ils ont ramené ça à 20 kilos. Il y a un problème où actuellement les gens ne trouvent pas les ingrédients nécessaires. Donc ils font n'importe quoi. Donc si toi aussi tu ne t'as pas dû la tête, ils vont pas. Hein, tu as tombé dans tout. Pourtant, il y a des gens qui travaillent, il faut nourrir. Il y a ceci, il y a cela. Vous voyez un peu. Parce qu'actuellement, ils n'ont même pas de graisse. Voilà. Il faudrait qu'on mette un peu de sel dedans pour qu'il y ait de graisse. Il y a beaucoup de choses. Donc, maintenant, ce que je vous ai dit, même moi-même, j'ai dit le sac à 23 000. Mais vous, patientez, je vais rentrer à Abidjan d'abord. Je vais faire le point d'abord avant de te dire ça à la mieux. Voilà. Tu vois un peu. Bon. On est venu, donc j'ai tout vu, mais je vais parler d'abord du côté technique. Le côté technique, quand vous finissez, bon, vous faites le vide sanitaire pendant chaque combien de jours? Chaque fin du mois, vous faites le vide sanitaire. D'accord. Vous utilisez, par bâtiment, vous utilisez combien de sacs de coco par bâtiment? Bravo. 18 à 20. Est-ce que quand vous utilisez 18 à 20, ça rend le percé bon? Vous êtes sûr? D'accord. Et chaque fin du mois, vous ramassez? Trois semaines. Et c'est ça. Ça, c'est 3 semaines. C'est que les poulets la font diarrhée, quoi. J'ai l'impression que c'est tout est simple. C'est qu'ils sont diarrhées. C'est que les chiens là sont liquides. Oui, c'est si les chiens ne sont pas liquides, vous allez voir que le copeau là même, là, vous voyez. Mais si l'abreuvoir verse encore dangereux, vous l'annulez. Parce que l'abreuvoir qui verse, ça aussi, ça dégage certaines maladies. L'humidité, ça c'est maladie d'humidité. Vous voyez un peu. Voilà. Donc tu écris, hein? Tu mets le vide sanitaire. Demain, vous commencez le vide sanitaire. Tu mets vide sanitaire. Hein? Vide sanitaire. Où va les grillages là? Vous lavez les grillages en haut, en bas. Tout est dit, bon. C'est combiné. Grillage, c'est combiné. Vous lavez tout en haut, en bas. Que tout descend. À l'avant là, vous utilisez, il y a des. Les femmes, elles utilisent les brosses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est. Ou bien si vous voulez, vous utilisez
ce que ceux qui, comme on appelle, les gars qui font les peintures, mm-hmm. qui peignent là, vous utilisez aussi. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Non, c'est qu'ils utilisent ça comme mm-hmm. boulot là, pour peindre là. Vous utilisez aussi, vous le mettez dans le seau. Mm-hmm. Le seau là, vous mettez chavet, je dis bien le chavet avec le mot. Et vous repassez ça dessus. Automatiquement, quand ça passe dessus, tous les microbes qui sont dessus, ça va les tuer. Automatiquement, vous allez voir que tout va descendre. Dès qu'on finit, vous versez l'eau dessus, vous avez pulvérisateur. Pulvérisateur, la machine, vous pulvérisez ça comme ça. Et puis tout descend. Tout devient sec. Pendant ce temps, c'est comme si les autres, vous les avez poussés pour mettre de l'autre côté. Quand ici, c'est sec maintenant, vous les poussez pour voir ici. Et vous nettoyez l'autre côté. Vous voyez un peu? Très bien. Dès que ça finit net automatiquement, vous enlevez les bois. Donc, non, en faisant, dès que vous les faites partir de l'autre côté, vous enlevez les bois en même temps. Tel que j'ai dit, vous enlevez tout et vous lavez. Vous attendez, lorsque tout sera sec maintenant, vous les envoyez ici en mettant les bois encore. Mais renverser les tournées les maintenant. Vous les faites venir de l'autre côté. Vous voyez un peu. Et ainsi de suite, vous faites là-bas. Ici, ça veut dire, dès que vous finissez ça, vous attaquez l'autre encore. Vous faites tout possible pour que tout se fasse demain et après-demain. Tout doit être prêt. Voilà. Ça veut dire si vous êtes prêt et que vous êtes assez, moi, je vous conseille de commencer les traitements en même temps. Parce que ça là, même si vous utilisez là, ça ne va rien faire. Ça va rien. Les voici. Ça ne va rien faire. C'est comme si vous êtes en train de les nourrir. Cadeau. Tu veux un peu? Ou peut-être, c'est comme si vous êtes à 10 semaines qu'ils laissaient à manger, c'est cadeau. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, il est meilleur. Aujourd'hui, on est où? On est au 30. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est toi ou bien ton grand frère. Vous faites le point. Quand ils vont dire les deux, vous avez les bons éléments pour commencer votre traitement. C'est-à-dire demain. Lundi, s'il y a possibilité, tu peux venir bien avant. Tu viens dans mon bureau, on se croise, on fait le nécessaire. Si on doit vous finir, on va vous dire comment ça va procéder pour que les aliments viennent régulièrement. C'est bon? Et une fois que ça vient régulièrement, dès qu'on finit de vous fournir les aliments de la papaye, maintenant, on va vous donner une formule exacte que vous pouvez trouver. Il y a des moulins ici, non? Les gens voient les ingrédients, ils savent que les ingrédients ne sont pas traités. Là maintenant, on vous donne des formules que vous-même vous allez fabriquer les aliments ici. Et puis maintenant, les donner. Mais d'abord, pour le rattrapage, moi je ne vous donne pas de formule pour les rattraper. Ça, c'est nos secrets. Si on vous donne que quelqu'un triche dessus, ça ne va pas marcher. Vous allez dire, ah mais les gars, il nous a blagué. Il y a d'autres, vous avez vu, vous avez acheté un aliment très cher. Et regardez le résultat. Donc vous voyez. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc demain, faites le vide sanitaire. Quand il va venir, parce que dès que les produits vétérinaires seront accompagnés de choses des médicaments dont j'ai parlé. Voilà, en fonction des médicaments, je vais donner des produits que vous allez utiliser. Voilà, donc si vous pensez que c'est nécessaire que vous preniez aliments tel que je vous ai dit, les 120 sacs avec nous, je saurai quels sont les types de médicaments vétérinaires que vous allez utiliser. On va acheter ça là-bas et puis vous allez venir avec. C'est bon? D'accord. Donc je pense qu'il n'y a pas de grandes choses. Voilà, on va partir. Mais quand même, on va aller dans la chambre, on va faire une vidéo. On va faire une vidéo. Non, les alentours, oui. Bon, quand j'ai regardé les alentours, c'est seulement les herbes. Parce que je vois, ils n'ont pas mis de coco à côté. Il n'y a pas de coco, il n'y a rien. Ça, il n'y a pas de souci. Les alentours, ne faites pas ça. Non, parce qu'actuellement, comme ça n'a pas poussé là, ne pulvérisez pas. Hein. Si vous pulvérisez avec produit chimique, là, c'est fini. Voilà. Mais ne faites pas, ça va trop pousser. Quand ça pousse un peu là. Nettoyer. Quand ça pousse un peu, vous pouvez couper dessus. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, on va aller là-bas. On va faire une vidéo avant qu'on ne parte. Montrer notre présence ici.
comme on va aller ensemble, arriver là-bas, on va s'entendre. On va faire une vidéo dedans. Voilà. Et après la vidéo, on va aller. On va s'entendre sur la route. Comment les choses peuvent se faire. Sinon, vous pouvez vous rattraper. 4 mois. Il vous reste encore. Il a dit 10. Non. 10 mois. Il vous reste 14 mois. Ah, ils ont 14 mois de pointe. Vous pouvez vous rattraper encore. Si ce que je vous dis, vous passez vite à l'action. Hein. Mais si vous jouez, ça aussi, ça va jouer avec vous. L'élevage est comme ça. On ne joue pas avec.